Allez, chers amis, c'est parti pour guidance générale. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, on nous parle de lenteur, les amis. On nous parle de lenteur aujourd'hui. Vous prenez que ce qui ça vous parle, si ça vous parle, et vous faites preuve de discernement. Je vais y arriver. Donc là, j'ai la lenteur sur le labyrinthe. Il y en a qui sont... Il y en a qui sont qui mettent du temps à sortir d'un labyrinthe, hein, là, clairement, hein. Il y en a qui sont enfermés dans certaines choses ou qui ne voient pas d'issue par rapport à des situations ou des relations, qui se sentent peut-être bloqués dans un labyrinthe. Voilà, j'ai l'impression que certaines personnes cherchent une issue avec ce tirage, mais ne la trouvent pas encore. J'ai l'impression que certaines personnes sont encore dans ce labyrinthe et ne trouvent pas d'issue, en fait, ne trouvent pas de sortie. Voilà, et on vous parle de lenteur, hein, donc que les choses peut-être se vont lentement et que vous ne voyez pas d'issue et que c'est juste désespérant. Alors, ce tirage, il vous dit malgré tout qu'avec la pyramide et l'élévation, c'est que vous allez trouver une issue de secours, les amis. Vous allez finir par trouver une issue de secours. Et voilà, tout simplement. Donc, que même si c'est long, prenez votre mal en patience, j'ai envie de vous dire. Laissez-vous guider. Ne forcez pas les choses et qu'à un moment donné, il va y avoir une issue de secours qui va se matérialiser devant vous. Regardez, on a la découverte. Donc, la découverte, c'est que vous allez trouver l'issue de secours. Et cette issue de secours, elle va être assez sympa parce qu'on a le coup de cœur et le flash à la sortie sur une union. Donc, peut-être que ça parlera aux gens qui, sentimentalement, ne trouvent pas peut-être la personne de leur cœur. Et regardez, avec l'union et le coup de cœur, c'est que peut-être que certaines personnes... vont rencontrer quelqu'un, hein. Là on nous parle de coup de foudre, hein, quand même, avec la découverte, le flash et l'union, il y a vraiment cette notion de coup de foudre. Donc ça peut être au niveau d'une relation, hein, au niveau sentimental, on a deux fois le cœur, mais ça peut être également un engagement dans quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Et là, pour l'instant, vous êtes dans le labyrinthe, vous tâtonnez, vous cherchez, il n'y a pas d'issue, c'est catastrophique. Et l'issue va apparaître, les amis, et ça va être un véritable coup de cœur pour vous. Et il va y avoir un engagement à la clé, une union officielle de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc la porte que vous allez découvrir ou l'issue que vous allez finir par découvrir va être positive avec le cœur qui ressort sur toutes les cartes, quoi. Et inattendu, on me dit. Ah ben voilà. Alors, on me dit que vous allez avoir une issue de secours inattendue et extrêmement qui va vous faire plaisir avec le cœur qui s'enflamme. Voilà, les amis. Donc, voilà ce qu'on me dit. Allez, je continue. Donc, même si vous êtes perdu là, l'issue de secours arrive, les amis. Ouais, on a la notion de corbeau. Alors, toujours pareil, moi, cette notion. Alors, il faudrait peut-être que je les lise, ces cartes, un petit peu plus, parce que... Voilà, mais moi, pour moi, la notion de corbeau, c'est la notion de magie de la vie, en fait. Donc, que si aujourd'hui, vous ne voyez pas d'issue, il va y en avoir une très prochainement. Et que l'issue va être extrêmement positive, parce que ce qui arrive à vous, c'est quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire chaud au cœur, qui va vous correspondre. Et avec la notion de corbeau, c'est un petit peu « laissez-vous guider par la vie ». Alors, je sais que c'est très facile à dire, hein. Et que c'est pas toujours simple, et que des fois on y arrive, et puis des fois ben, on n'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, les amis, mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment, il va y avoir quelque chose, il va y avoir, vous allez avoir une issue de sortie, vous allez découvrir quelque chose, et ça va être chouette, même si ça a pris énormément de temps. Voilà ce qui me vient avec cette guidance. Allez, je continue, donc c'est plutôt chouette. Et j'ai l'œil qui s'ouvre en grand, là, sur la pyramide donc, et la découverte. Donc, il va y avoir de jolies choses, là, qui vont arriver. L'issue de secours va finir par apparaître, les amis. Il y en a qui, sur le plan sentimental, ont eu des grosses, grosses déceptions. Vous êtes certainement encore dedans, hein, pour certains. Beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesse. Il y a le cœur qui est déçu, le cœur qui est blessé, les larmes qui coulent. Le labyrinthe où on ne voit pas d'issue et c'est très très long. Mais voilà, ce tirage, il est là pour vous dire que quand même, une issue de secours va apparaître, les amis. Quelque chose va éclairer votre chemin, quelque chose va vous être apporté, une porte va vous être, vous allez être guidé vers une porte, quoi. Alors, on nous parle de transformation aussi sur ce que vous avez traversé. Donc, peut-être que la notion de lenteur et de labyrinthe
vous permet quand même derrière de transformer cette blessure de cœur ou de balayer cette tristesse ou de comprendre certaines choses. Avec la transformation, on voit que progressivement, vous allez sortir de cet état, vous allez devenir un papillon en fait. Et à ce moment-là, une fois que cette transformation va avoir lieu, je pense que c'est à ce moment-là qu'on va vous montrer une nouvelle porte ou qu'on va vous donner l'issue de secours en fait, quelque part. La magie de la vie est à l'œuvre, les amis, mais ça passe quand même, je pense, par une transformation de quelque chose que vous portez en vous ou qui vous a blessé ou qui vous a... Voilà, il y a peut-être encore un petit travail de libération, de transformation sur des situations passées qui ont été douloureuses, d'où peut-être le fait d'être encore bloqué dans ce labyrinthe. Pour moi, j'ai l'impression qu'une fois que vous allez finir de transformer ça, il y a cette notion d'issue de secours qui vous est présentée, en fait, tout simplement. Voilà, donc vous prenez que si ça vous parle, sinon vous prenez pas. On est toujours d'accord avec ça. Et donc voilà, regardez. Il y a beaucoup d'obstacles, de trahison, de... Alors, je pense que là, ça parlera aussi peut-être à celles et ceux qui ont essuyé des trahisons sur le plan sentimental, hein. Ou qui ont essuyé des obstacles et des blocages qui les empêchent d'avancer, hein. Il y a vraiment cette notion d'être empêché d'avancer sur un chemin, là. Ou de ne pas trouver son chemin, ou de ne pas comprendre. Il y a vraiment gros blocages là avec ce tirage, on ne va pas se le cacher. Mais moi, pour moi, avec la notion d'élévation, quand même, c'est réussir à sortir de ce labyrinthe, c'est réussir à... La vie va vous aider, je pense, à trouver une issue favorable. Et on a vu tout à l'heure que l'issue était positive. Donc voilà, alors il y a peut-être des choses à comprendre, à finir de libérer, hein, pour déblayer ce chemin-là. Pour faire apparaître cette nouvelle issue, cette porte, voilà, il y a tout ça. Après, peut-être que certaines personnes ont des blocages dans les relations avec des gens néfastes autour d'eux. On vous invite à tracer votre chemin, à lâcher ces personnes ou ces situations qui sont néfastes pour vous, les amis, hein. Il y a cette notion-là aussi, hein. De tracer votre route, de tracer votre chemin, de vous éloigner de ces énergies. Il y a ça aussi. Après, il peut y avoir aussi de la négativité intérieure, des choses que vous n'avez pas encore complètement libérées avant qu'un nouveau chemin s'ouvre ou qu'une nouvelle issue vous soit présentée. Il y a peut-être encore des choses à finir de libérer en vous également, qui va vous permettre de sortir justement de ce labyrinthe. Mais moi, je pense que ça part aussi, enfin, ça passe aussi ce tirage par un travail intérieur de libération. Voilà. Et que voilà, après, j'ai pas de doute que vous allez finir par trouver votre chemin. La vie va vous aider va vous présenter une issue de sortie à un moment donné. Voilà. Mais moi, pour moi, et vous savez comment je conçois les guidances, c'est-à-dire que je pense que ce sont des énergies, des messages, mais que vous avez quand même une part du job à faire quelque part. Ou à comprendre certaines choses qui se jouent en vous et qui vous font barrage. Voilà, hein, y a tout ça qui se joue. En tout cas, pour moi, il y a un travail de libération quand même à faire. Et que même si ça prend du temps, à un moment donné, vous aurez une porte de sortie malgré tout qui va vous être présentée. Voilà. Alors, peut-être que c'est quelqu'un avec lequel vous allez avoir une discussion qui va vous permettre de sortir aussi de cet enfermement. J'ai l'impression qu'il y a de la communication et de la discussion qui est importante pour vous aider à comprendre peut-être ce qui se joue et à sortir. Et regardez, on a toujours des cartes positives à la fin, là. Là, on a une carte de joie. Alors, soit c'est une communication qui va vous permettre de comprendre certaines choses, soit c'est une communication et en fait c'est ça la porte de sortie. Peut-être que c'est une rencontre avec un homme. C'est peut-être ça aussi l'issue de sortie avec lequel il va y avoir beaucoup d'échanges et qui va vous permettre de sortir de cet enfermement et retrouver un sentiment de joie et de légèreté. C'est peut-être un homme dans votre vie qui rencontre ces énergies-là, qui est dans un labyrinthe et qui n'en voit pas la sortie. Voilà, il y a tout ça qui se joue. En tout cas, on voit quand même que pour moi, hein, et j'entends, hein, une porte de sortie va vous être présentée. Donc voilà. Après, c'est peut-être en lien, je vous dis, avec. C'est peut-être. Vous êtes peut-être enfermé dans un sujet en lien avec un homme, hein, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque encore à l'heure actuelle. Il y a peut-être des choses à dire,
ou à libérer pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Voilà ce qui me vient, les amis. Allez, je continue avec le 77. En tout cas, pour moi, l'issue de sortie va vous être apportée, les amis. Il y a du renouveau qui vous attend. Il y a des réconciliations ou la rencontre avec des nouvelles personnes qui vont vous faire extrêmement plaisir hein, avec cette carte et qui vont vous permettre de revibrer la joie. Hein. Il y aura peut-être par la suite, c'est peut-être ça aussi l'issue, la rencontre avec quelqu'un, hein, clairement. Parce qu'on voit qu'il y a quand même l'union des sentiments positifs et le fait il y a peut-être aussi des réconciliations, les amis, on est en train de me dire. Il y a peut-être aussi, voilà, il y a du renouveau positif et favorable. On l'a vu avec le coup de foudre de tout à l'heure. Là, on le voit avec la notion d'être attiré par quelque chose où on a le cœur qui vibre. Il y a peut-être la connexion entre deux personnes. Mais ça, moi, je pense que c'est une fois que vous allez passer cette issue de sortie, une fois que vous allez être dirigé vers cette issue de sortie, c'est les énergies qui vous accompagneront par la suite. Il y a d'abord un travail de libération pour que l'univers vous envoie une porte de sortie, une issue de secours. Voilà ce qui me vient. Allez. Oula. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? La rencontre, les amours, le fait de sortir d'une situation d'enfermement, de continuer son chemin. Ouais, là, avec la voix et le jugement, c'est que vous êtes bloqué dans un labyrinthe. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Hein. Mais que... alors, il y a des choses qui vont se débloquer, mais je pense que c'est en lien avec un travail intérieur de libération, avec le fait qu'on vous ouvre une nouvelle issue ou une nouvelle porte. Et derrière, pour moi, il y a des choses extrêmement positives parce qu'on a la rencontre, les amours, il y a toute cette notion-là, et avec une évolution forte et favorable par la suite. Hein. Mais pour moi, il y a d'abord le fait de sortir de ce labyrinthe. Et qui passe par le fait d'un petit travail sur soi, de libération, de guérison, de voilà. Et l'univers va vous apporter une issue de secours, là, moi, pour moi. Et qui sera vraiment top, même si ça aura mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Voilà, il y a des nouveaux engagements à la clé. Hein. Il y a aussi peut-être un retour de justice, quelque part, en lien avec les choses que vous avez essuyées, hein, clairement. Il y a peut-être aussi un rééquilibrage par rapport à ça. Peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre parce que vous avez guéri des blessures de cœur et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à passer à autre chose, à un nouvel engagement. Voilà. Et que... il y a cette notion de vous réouvrir aussi. Hein. Peut-être que ce labyrinthe, vous y êtes mis tout seul suite à des trahisons, des déceptions, des blessures de cœur, du renfermement sur vous-même. Et aujourd'hui, on voit que tout ça se libère hein, avec la justice. Il y a peut-être un retour de justice divine, c'est-à-dire que maintenant que vous avez traversé ça, eh ben, on va vous apporter quelque chose de mieux, de plus favorable. En tout cas, pour moi, il y a à la clé derrière de cette porte, il y a un nouvel engagement qui sera plus prometteur, plus agréable. Et voilà, et qui va vous permettre de sortir de ces énergies-là, hein, du passé, c'est terminé, on tourne la page, et de ces énergies d'avoir peur de perdre, de tout retenir, de vous renfermer sur vous-même. Hein. Donc là, moi, pour moi, avec ce tirage, il y a quand même la notion de porte d'issue qui va vous être envoyée, en fait. Hein. Voilà, et qui va vous permettre de vivre quelque chose de beaucoup mieux, puisqu'on a vraiment cette notion de cœur, de coup de cœur, de tout ce qui se joue avec cette issue-là. Voilà, je vais les reprendre, ces cartes, elles étaient quoi? Elles étaient dessous, regardez, on a la découverte de quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, qui vous correspond, qui fait vibrer votre cœur et dans lequel vous allez vous engager. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation. Voilà, tout simplement, où vous engagez vers un projet de cœur qui vous tient qui vous tient particulièrement à cœur, quoi. Donc là, il y a vraiment cette notion aussi de vous engager vers quelque chose qui parle à votre cœur, tout simplement. Hein. En tout cas, voilà, donc de très, très jolies énergies, les amis. Malgré tout, même si vous êtes dans ce labyrinthe, on vous dit de ne pas perdre espoir, que l'issue positive est là et on vous dit de laisser agir l'univers. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même, alors pas de laisser agir l'univers comme ça,
J'ai l'impression qu'il faut que vous finissiez de libérer tout ce qui vous bloque, en fait, vous, intérieurement, et que derrière, laissez agir l'univers, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif. Alors, j'avais la magie de l'univers, laissez agir l'univers, et l'élévation, et cette porte de sortie qui va vous être présentée et qui sera bien mieux, hein, on l'a vu, pour la suite, pour votre suite. Voilà, chers amis, pour cette guidance, je vous souhaite une merveilleuse journée. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!